Quels aliments faut-il manger et ne pas manger à jeun? Le petit déjeuner est un repas très important pour commencer la journée. Mais savez-vous que certains aliments ne sont pas recommandés à jeun? Voici la liste de ce qu'il faut éviter de manger quand on a l'estomac vide et la liste des aliments qu'on peut manger sans risque dès le réveil. Les aliments à éviter à jeun. Moins les produits laitiers, l'acide chlorhydrique contenu dans l'estomac va tuer toutes les bactéries laitières et donc annuler leurs bienfaits. Moins les petits pains, la levure contenue dans le pain va irriter les parois de l'estomac, ce qui va entraîner la production de gaz. Moins les tomates, elles sont riches en acide tannique, ce qui va augmenter l'acidité contenue dans l'estomac et peuvent donc provoquer des ulcères gastriques. Moins les agrumes contiennent beaucoup d'acide, ce qui peut entraîner des brûlures d'estomac qui peuvent à leur tour provoquer des gastrites ou des ulcères. Moins les boissons gazeuses, elles augmentent la circulation sanguine dans l'estomac et abîment la muqueuse gastrique, ce qui complique la digestion. Moins les bonbons et les sucreries, le sucre contenu dans les bonbons augmente la production d'insuline alors que le pancréas vient juste de se réveiller, ce qui à la longue peut provoquer du diabète. Moins les légumes verts, les légumes crus à jeun provoquent des brûlures d'estomac et une très grande production de gaz à cause de l'acide qu'ils contiennent. Ce qu'il faut manger quand on a le ventre vide. Moins les sucres, manger des sucres au petit déjeuner donne une sensation de satiété et diminue les calories consommées au cours de la journée. Moins l'avoine va couvrir et protéger la muqueuse gastrique des aliments acides. Il contient aussi des fibres qui réduisent le niveau de cholestérol. Moins le blé noir, sarrasin, stimule l'appareil digestif. Il est aussi une source de protéines, de fer et de vitamines. Moins les fruits secs, les noix, les amandes, les cacahuètes et autres fruits secs améliorent le fonctionnement de l'appareil digestif. Moins les myrtilles, consommer des myrtilles régulièrement améliore la mémoire, la pression sanguine et normalise le métabolisme. Moins la purée de maïs élimine les toxines et normalise la flore intestinale. Elle donne aussi une sensation de satiété pour une bonne partie de la journée. Moins la pastèque donne à l'organisme la quantité de liquide nécessaire car elle contient beaucoup d'eau. Elle contient aussi du lycopène, très bon pour les yeux et le xure. Moins le blé germé contient de la vitamine E, de l'acide folique et aide au bon fonctionnement de l'intestin. Bien choisir ce qu'on mange est aussi important que le moment où nous le mangeons. Ceci nous permettra de profiter de tous les bienfaits de nos aliments et d'optimiser nos choix alimentaires.